Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien en ce mardi 19 novembre. Aujourd'hui, donc, je vous ai tiré les cartes des acouphanges pour les énergies cosmiques et les cartes rêvées de votre animal totem pour les énergies telluriques. Alors, avec les énergies cosmiques, donc la carte 55 des acouphanges, on vous dit aujourd'hui de trouver votre place au sein d'une communauté, d'un groupe, je dirais même en élargissant votre place sur Terre. Tout ce qui est travail en groupe, participatif, associatif, partenariat bien sûr est favorisé. Enfin, toutes les activités d'ailleurs, pas que le travail. On vous dit également de voir la richesse dans la diversité, hein, c'est-à-dire d'être entouré de personnes différentes est une richesse et ça peut vous apporter beaucoup. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous appuyer sur ces différences en ce moment. Et puis, le troisième message de cette carte, c'est aussi, eh bien, de dépasser parfois les apparences et de ne pas, en tout cas, vous fier toujours aux apparences. Voilà, écoutez vraiment votre intuition, écoutez votre cœur. Avant, voilà, d'écouter ce que les autres peuvent vous raconter. Mais quoi qu'il en soit, le message le plus important, c'est de trouver sa place au sein d'un groupe, d'une communauté. Et vous allez voir que la carte 34, la tortue, la terre nourricière, va aussi dans ce sens. Et là, je vais carrément vous lire le texte qui est assez long, mais bon, voilà, je vais vous le lire. Donc, même lorsque nous sommes entourés par ceux que nous aimons et respectons, nous nous sentons parfois seuls. Nous oublions parfois notre lien avec l'esprit, on parle ici du grand esprit bien sûr, et la relation que nous avons avec la terre nourricière et la création. Nous nous sentons à l'extérieur de la nature, nous nous sentons déconnectés de la grande roue de la vie et nous pensons que nous sommes seuls. La tortue est là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que la Terre est notre mère et qu'elle nous aime, nous parle, nous protège et subvient à nos besoins tous les jours. Du fait de leur passé très ancien, les tortues ont longtemps été vénérées comme des symboles de longévité, de protection de la terre nourricière. La tortue dépose ses œufs profondément dans les sables chauds de la terre nourricière pour la charger de leur protection et de leur entretien. Elle fait confiance à la terre nourricière pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour se développer et devenir des représentants forts et indépendants de la génération à venir. Cacher quelque chose de sacré dans les sombres abysses de la terre nourricière, à l'abri de la lumière du grand-père soleil, et symbolique de la mort rituelle vécue par les anciennes cultures dans leur recherche de la guérison, de la sagesse ancestrale et de l'illumination spirituelle. Tandis que la jeune tortue émerge du sable, cela correspond en fait à une renaissance puisqu'elle émerge de l'utérus de la terre nourricière. Sa première naissance est symbolisée par le dépôt de l'œuf dans la terre, la renaissance est symbolisée par la libération de la coquille de l'œuf, pour émerger de l'énergie nutritive de la terre nourricière à la lumière du grand-père soleil. Si la tortue est présente aujourd'hui dans vos cartes, vous êtes en train de vous préparer à un changement profond, qu'il s'agisse de guérison, question d'ordre familial, secret, etc., d'évolution personnelle ou d'un éveil, ou d'un réveil. J'ai mal lu, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est peut-être ça aussi. Vous êtes littéralement prêt pour une renaissance, une émergence et un retour à la clarté. Vous êtes également reconnecté à la force créative de l'utérus de la terre nourricière, à son cœur, à la sagesse inhérente qu'elle aspire à transmettre. N'oubliez pas que nous sommes tous reliés et que même lorsque vous pensez être abandonné, vous êtes bercé et nourri par la terre nourricière. Donc c'est un super message. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous le lire en entier. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. C'est très beau. Je vous laisse, voilà, écouter, réécouter même, parce que je pense qu'il y a plein de symbolique. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle renaissance, une belle connexion avec votre entourage, avec la mère Terre. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous du cœur.